c'est parti. Donc, j'ai expliqué dans la dernière vidéo, ça c'est mon coin multifonctionnel. Il rentre des morceaux, il sort des morceaux, puis il complète le cube. Fait que ce que je vais faire, c'est que lui, je peux le bouger comme que je veux. Du moment que je le ramène à la fin. Je ne dérange pas les autres morceaux. Comme là, je dis, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais si je ramène mes coins aux bonnes places, mais ça répare le reste de mon cube. Donc, première chose que je vais faire, avant de bouger mon coin multifonctionnel, je vais aller chercher le morceau rose et mauve pâle, ou lila, comment t'appelles ça? Là. Donc, il faut que je le trouve. Rose, on a dit, et mauve pâle. C'est ça là qu'on cherche. OK, il est ça. Fait que je vais rapprocher mon rose et mauve pâle. J'ai rien de fait en haut encore. Fait que ça, je peux le bouger comme que je veux tant ce longtemps que je touche juste aux pièces extérieures qui tombent, pas les pièces intérieures. Donc lui, il va rentrer là. Mauve et rose. C'est là qu'il rentre. Je mets la couleur la plus proche, rose, au-dessus du rose. Si ça aurait été le mauve pâle, je l'aurais mis ce côté-là. Je l'amène ici. Avant de le descendre en bas, je vais aller chercher mon coin multifonctionnel, puis je vais l'amener en dessous. Comme ça. Lui, il n'a pas été placé. Fait qu'il peut être remplacé par n'importe quel autre morceau. Parce qu'en faisant ma manœuvre, lui, il va sortir. Il va en rentrer un autre. Puis du moment que ce n'est pas la bonne couleur, on s'en fout. C'est-à-dire le coin officiel. Donc, là, je peux rentrer ma pièce. La manœuvre, c'est la même. En bas, en haut, en haut. Remarquez, ce coup-là, j'ai parti du côté où ce que le rose était collé. Le rose était collé ici, fait que j'ai parti du côté gauche. Fait que ma pièce est rentrée, mon coin multifonctionnel, je le ramène où ce qu'il était. Fait que là, si tu prends, porte attention, l'orange, le lilas et le rose, le coin y était placé, puis ces façades-là sont complétées. Non pas l'extérieur, mais tout ce qui est proche de la base. Donc, j'amène mon coin multifonctionnel en dessous du mauve et du bleu foncé. Mais avant de faire ça, il faut que j'aille chercher mon morceau. Mauve pâle et bleu pâle. Pas bleu foncé, bleu pâle. Mauve pâle et bleu pâle. Il est où le morceau? Mauve pâle et bleu pâle. C'est le seul répond. Mauve pâle et bleu pâle. Je ne le vois pas. Mauve pâle et bleu. OK, il est là. Il n'est pas à bonne place. Il est inséré dans la base, mais il n'est pas à bonne place. Si je le sors, mon coin qui est là, je vais le perdre. Je ne veux pas le perdre, parce que si je le déplace, exemple comme ça, mais là, je viens de perdre mon coin. Là. Je ne veux pas le perdre, ça. Donc, qu'est-ce qu'on amène? Bien, notre coin multifonctionnel. C'est pas grave s'il part, lui. Là, je réussis à le sortir. En haut, en bas, en bas. Mais là, je pense que je me suis trompé. Oui, 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 je me suis trompé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça de même. C'est en bas, en bas, en haut, en haut. Parce que si je le fais de l'autre sens, je perds mes oranges en dessous. Fait que là, je viens de sortir ma pièce mauve pâle et bleu pâle. Le coin multifonctionnel, je le mets où est-ce que je veux rentrer la pièce. Fait que là, techniquement, c'est un morceau là, voilà. Le mauve pâle au-dessus du mauve pâle. Puis là, je fais la manœuvre. En bas, en haut, en haut. J'ai rentré mon morceau, le coin multifonctionnel, je le ramène à sa place pour être sûr que je n'ai rien dérangé. Juste pour une vérification personnelle. Bleu pâle et bleu foncé, même principe. Il est de 7 en haut, je le rapproche. C'est là qu'il s'en va, mon coin multifonctionnel est facile à reconnaître, il n'est pas en même couleur que les autres. Maintenant en dessous, bleu pâle avec le bleu pâle, ça donne qu'il est encore à gauche. En bas, en bas, en haut, en haut. Là, je me dis, mon Dieu, ça allait tout mélanger mon affaire. Mais non, je ramène mon coin multifonctionnel à sa place. Puis là, tout ça, ça s'est complété. Je vais aller faire le bleu foncé et le gris. Bleu foncé et gris est en haut. Je le rapproche. Là, je fais un petit peu plus vite. Je pense que tu as compris le principe. Il va rentrer là. J'amène mon coin multifonctionnel. Mon bleu foncé sur mon bleu foncé. Puis là, je rentre en bas. En bas, en haut, en haut. Il est placé. Puis là, je peux me débarrasser du coin multifonctionnel et le mettre à sa place. Là, si je regarde comme il faut, mon coin multifonctionnel, il reste le côté qui est tout ça à faire. Mais tout le reste, les coins puis les côtés du dessous, parce que là, présentement, je bâtis le cube du dessous jusqu'en haut.
sont complétées. Ce que je vais faire, prochaine étape, je vais rentrer la même affaire avec mon coin multifonctionnel qui est déjà à sa place. Ça me prend le gris et le rose. Le gris et le rose, il va rentrer ici. Le rose est plus proche. Fait que je vais le mettre au-dessus du rose. Puis là, je vais le rentrer à partir du côté droit parce que là, il est présentement sur le côté droit. En bas, en haut et en haut. Là, il est rentré. La seule affaire qui me manque en dessous, c'est mon coin. Le fameux coin multifonctionnel. Fait que je vais aller chercher. Gris, rose et orange, il est là. Ce que je vais m'arranger pour faire, c'est que vu que mon orange est en dessous, il faut absolument que je m'arrange pour que mon orange soit sur le dessus, sinon ça ne marchera pas. Si jamais il n'est pas à sa place, exemple, comme là, le coin, il s'en va là, mais il est pas, l'orange n'est pas sur le dessus. Ça me prend absolument l'orange sur le dessus parce que c'est ma couleur de base. Je ne serais pas capable de rentrer la manœuvre, le morceau, en faisant la manœuvre. Il y a toujours quelque chose qui va arriver que lui ne sera pas sur le bon sens, lui ne sera pas sur le bon sens, lui va être sorti, lui va être à sa place, lui va être à sa place, lui va être sorti. Fait qu'il faut absolument que je le vire de bord. Si je le vire de bord, je l'amène s'arranger du haut, je le tasse d'un espace, puis je le ramène. Bon, là je suis bon pour le faire. C'est la même manœuvre. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est deux fois. Ou peut-être trois. Tiens. Le coin est complété, puis le côté est complété. Fait que là, si on regarde de dessous comme il faut, orange, est fini. Puis tout ce qui est en bas est terminé. Fait qu'on arrête ça là. Puis on passe à la prochaine étape.